comes. Mihai's looking worse. Thank God he has his granddaughters here to help him out. They're sisters, 15 and 10. Engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now compared to when the war began. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing a stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. And some pilots who got their wings clipped, too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Aruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Aruja lost the war, how come they still have a spy satellite? Because someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osea's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Aruzian princess rallying her people on the Aruzian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osea, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osea was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osea down." No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake-ass planes to trick Aruja, I'm gonna build one that'll really take off. You can count on that. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal Birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. However, we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osea's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Aruzian forces.
However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected. We will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after. A number of anti-air radars have been set up around the space elevator. However, our reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatapura. So we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Bien, et bien salut à tous les amis, c'est Warlocks, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre Let's Play sur Ace Combat 7. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va tranquille, pour ma part ça va super. Hein. Alors le premier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a été fait en live hier, du coup, parce que comme je vous ai dit, j'enregistre ces épisodes dimanche, pour mardi et pour jeudi. Donc on se retrouve après la troisième mission, et après beaucoup de cinématiques. j'ai pas parlé une seule fois tout le long, donc il y aura une espèce de gros blanc par les cinématiques en début d'épisode. Donc on est parti apparemment pour une nouvelle mission qui s'appelle Rescue. Bon, je pense que vous savez ce que ça veut dire, hein, voilà. Et apparemment on doit mener tout seul l'opération et en restant dans les nuages avec notre cher pilote Trigger. Et on va de suite s'en occuper. Alors... il n'y a que des cibles au sol, donc c'est plutôt pas mal. On va avoir l'arbre de recherche pour savoir un peu combien j'ai, pour voir si je peux acheter une nouvelle arme ou un nouvel avion, tout simplement. J'ai 109 052 PAM. Alors, soit j'achète le F-14D avec une arme pour les unités au sol, soit j'achète directement le F2A ou alors le Mirage 2000. Mais il me semble que ceux-là, voilà, ils sont pas... c'est pas les meilleurs. Donc, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va acheter le F-14D et qu'on va l'utiliser. Oui, on veut l'utiliser, t'inquiète pas. Avec la petite cinématique en mode, t'as vu, t'as un nouvel avion. Ah, c'est pas grave. On attend la fin de la cinématique et je pense qu'on va acheter l'arme qu'il faut. Voilà. Vous avez débloqué un nouvel avion, donc c'est le F-14D. Et on a droit à ça maintenant qui coûte 10 000. Sauf que moi... il me faudrait une arme qui vise tout ce qu'il y a au sol. Donc ça vise plusieurs avions. Ça vise au sol. Et ça vise un avion. Donc en gros, il faudrait que j'achète celui-là. Donc on va acheter celui-là. Voilà. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Ce qui fait que du coup, on va lancer la mission. Donc si j'ai bien compris, il faut pas que je me fasse repérer. Il faut pas que je sois en dessous, tout simplement, des nuages. Mais le problème, c'est que les nuages risquent de geler l'avion. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. Donc... ça c'est pour tuer les avions et ça c'est pour tuer les cibles au sol. Donc on va prendre celui-là et on va se déployer tranquillement. Par contre je sais pas du tout si j'ai le bon avion, on verra. On verra tous ensemble. Bon, en effet j'ai fait une grosse connerie en prenant celui-là, j'aurais dû garder le l'autre avion. Je sais plus comment il s'appelle l'autre avion. Mais je pense pas que j'aurais dû prendre le F-14D, donc on va voir ça ensemble. Et donc la mission c'est de sauver l'ex-président. Alors comment ça démarre? Entering operation area, imposing radio silence. We'll radio you, but you are not permitted to make contact. Ok. If you're spotted, the mission is over. Stay out of enemy radar. Ok donc. Mon dieu. D'accord, ça va être assez compliqué. Donc il pleut, il y a des nuages et moi il faut que je m'infiltre dans tout ça en esquivant le plus possible les cercles rouges que vous voyez sur la minimap. Donc on va essayer de faire ça, ça va me demander beaucoup de concentration, je sens. Ok.
Pour l'instant ça a l'air d'aller, mais je pense qu'elle est assez compliquée cette mission. Donc en gros là ce qu'il faudrait que je fasse c'est ça. Que je tourne ici. Je me repère via le radar hein, parce que si j'ai pas le radar, franchement honnêtement je pense que je me fais dézinguer. Ok, ensuite il va falloir que je tourne encore. Ok, il faut faire attention au vent aussi en plus de ça. Je sens que ça va pas être si cool que ça. Je suis en train de forcer comme un enfoiré sur le joystick pour éviter de me faire repérer. Ok, là ça tourne donc c'est bon. Faut juste que je fasse attention quand même. L'avion reste droit s'il te plaît. Ce serait trop gentil de ta part, merci. Ah, c'est vraiment des enfoirés quand même, ils ont rajouté le vent, ils ont rajouté plein de trucs. Ce qui fait que du coup, pour faire la mission, c'est putain de chaud. Bon, il faut... je le fais tranquille, mais il faut pas que j'oublie quand même que j'ai du temps, donc... on va quand même essayer de speeder un peu plus. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Pas trop de complications. Non, 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 tu remontes, s'il te plaît, merci. Non, j'ai dit. Ok, faut que j'aille où après? Ok, d'accord. C'est vraiment chaud avec le vent. Hein. Ok, faut que j'aille où? Ok, d'accord. Donc là pour l'instant on est bien. Moi il faut que j'aille par là-bas. Donc on va se diriger tranquillement vers là-bas. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok. Donc là, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, vous êtes en train de me dire, c'est bon, je suis tranquille. Ok, pour l'instant, c'est bon. Ok, à mon avis, là, il va falloir que je tourne. Si vous comprenez rien au jeu, c'est pas grave. Juste référez-vous à... référez-vous juste à la carte et non pas au jeu, parce que je sais que le jeu, ça peut être compliqué de comprendre ce qui se passe. Hop, mets-toi droit, s'il te plaît. Là, pour l'instant, ça va, c'est nickel. Mais en gros, il faudrait qu'on aille vers le pilier que vous voyez sur le jeu. Prochaine destination. Ok, prochaine destination, il va falloir que je tourne encore. Il faut que je tourne où? Ok, il faut que je tourne là-bas en fait. D'accord. Là, il y a encore ce foutu vent à 2 francs qui va me gêner, je sens. Ok, pour l'instant ça a l'air d'aller donc ensuite il faut que j'aille où? Ensuite il faut que je rentre. Est-ce que je vais pouvoir passer là? Ah j'ai un doute quand même. Hein. On va peut-être tenter. On va voir ce que ça vaut. Pour l'instant je me suis pas fait repérer donc j'aimerais que ça continue quoi. On va essayer de rentrer par là. Par la gauche. Je dis par là, mais c'est un jeu aérien, donc en fait ça peut être partout, mais c'est plutôt par la gauche. On va tenter, je dis bien on va tenter. Ça a l'air de passer pour l'instant. Ça a l'air de bien passer même. Ok. 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 Alors. Donc je peux utiliser la deuxième arme, je peux utiliser la première. Et on va tranquillement.
Wow, d'accord. Bon, cet avion n'est pas maniable du tout. Ça risque d'être assez compliqué. Ok, on va se mettre sur les missiles, tranquille. J'ai 9 minutes pour faire tout ça. Ok. Ok. Alors ensuite, hop, ça dégage. Ok. Ok, ça c'est bon. On va faire le tour tranquillement. Ah putain. Ah, j'ai salement dégusté quoi. Donc on va faire le tour tranquillement. Ça c'est un raté. Va peut-être prendre de la hauteur histoire de se les faire tranquillement. Voilà, cela c'est fait. Il me reste que 8 minutes pour faire tout le reste, donc on va essayer de se dépêcher un peu. On va essayer. Alors, l'avion il est pas mal, enfin il est trop facilement... Des fois il peut être facilement maniable, des fois il a des problèmes. Allez, il me reste plus grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toi. On a toi. On a toi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éliminer tous les ennemis, d'accord. Ouais, bah là, on va s'amuser du coup. Là, on va s'amuser. Du coup, on va commencer par les cibles au sol, je crois. Et si je me fais attaquer par les avions, les hélicoptères, eh ben, je m'occuperai des avions, des hélicoptères, tranquille. Là, le but, clairement, c'est de se débarrasser de tout le monde. Donc, on va éviter de se faire toucher quand même deux fois. Eh merde, j'ai gaspillé un missile pour que dalle. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite. Ok, pour l'instant ça a l'air d'aller. On va changer de cible quand même. Un MQ-99. Ouais. Est-ce que le MQ, il lui faut deux missiles pour le défoncer? Je l'ai raté. Ok, ça c'est fait. Ensuite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut détruire? Il y a un conteneur à détruire. Voilà, ça c'est fait. Lui là-haut, il est en train de me gonfler un peu. On va laisser le faire. Hey, dis-moi que tu meurs. Voilà, ça c'est bien. On a une cible TGT là-bas. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on a fait un peu le nettoyage sur tout ce qui était sur le port tranquillement. Du coup, là,
Ok, ça, ça a été détruit, c'est bon. On va peut-être revenir sur la cible qui est là. Est-ce que ça passe? Non, c'est raté. Et là, ça passe. Alors, 12 minutes restantes pour finir tout ça. Ok, ça c'est détruit. Ensuite. Ok, détruit aussi. Ensuite, on a encore des avions, de ce que je vois. Des avions, des drones, je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. On va laisser les faire aussi. Hop là. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'avion du tout. Après, il faudrait que j'aille un peu plus bas parce qu'apparemment, il y a l'air d'avoir un avion qui... ils ont du mal à détruire. Hop là, ça c'est fait. Et c'est fait. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ensuite, il me semble qu'on a un truc là-bas. Alors je vous dis là-bas pourquoi, parce que si on zoome, enfin si on dézoome, on a une cible là-bas qui est quand même assez relou, apparemment. Et on va laisser la faire, et on a encore 10 minutes tranquille, donc ça va. Ah ouais, il est pas à côté quoi. Ce serait bien qu'on recroise aussi le... Vous savez, l'espèce de gros bombardier qui nous a envoyé les drones. Celui-là, j'aimerais bien me le faire aussi. Allez, dis-moi que c'est bon, que je vais pouvoir le viser. Voilà. C'était des drones en plus, c'était même pas des avions de chasse, c'était des drones. Alors est-ce que l'opération... Je crois que l'opération est un succès. Ok, ça a l'air d'être là-bas en fait. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah ouais d'accord, ça déconne pas quoi. Ça déconne pas, ça déconne pas, ça déconne pas. Donc c'est encore des drones. C'est des drones qu'on avait déjà rencontrés il y a un petit moment. Enfin, le live d'hier en fait tout simplement. Mais je crois que c'était la deuxième ou la troisième émission. Je sais plus, faudrait que je regarde. Mais il me semble que c'était ça. Donc ça c'est des drones. Ah. Viens ici. Je freine le plus possible. Un missile, ça devrait suffire. Voilà. Un missile, ça suffit. Donc, j'ai pas besoin de gaspiller mes missiles. Ah, celui-là, je me doutais que j'allais le rater. Et celui-là... Ok, celui-là, c'est fait. Ah, il y en a beaucoup, quand même. Hein. Il y en a pas mal. On va aller se faire lui, là-bas. Allez, hop, ça dégage. Là. Ah, celui-là, je me doutais que j'allais le rater. Enfoiré, il a fait un demi. Ah, je l'ai raté. Ok. Je
Normalement, ça devrait être bon. Hop là, là, c'est fait. Toi, ça devrait être fait aussi. Non, apparemment, non. Faut pas être pressé, hein. Normalement, je l'ai touché, normalement. Ça m'énerve parce que il me reste 2 minutes là. J'aimerais bien me les faire une bonne fois pour toutes. Ok, ça c'est bon. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire là, il me reste 1 minute quoi. Radar lock acquired. Mother Goose 1 is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. It's flying at a steady altitude. Who's in control? It's not the colonel. Mr. Harlick's the only one on board. Mother Goose 1, respond! Mr. Harlick, please respond! We can't protect our objective if it sticks around here. Now's not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Mr. Harlick, we are not giving up on you. The UAVs are... Pour le moment, ça a l'air d'aller, mais il y aura 58 secondes. À mon avis, j'aurais mieux fait de prendre l'autre arme. Ouais, je pense que j'ai foiré la mission complètement. Je pense qu'on va devoir la refaire, celle-là. Faudrait que je sois un peu plus réactif, je pense, et faudrait que je change là. Ok. Échec. Oh my god, Mother Goose 1 has been shot down. Where'd the missile come from? Mage 2 fired that. It was OG. A friendly missile hit him. Verifying the situation. Stop speculating. Friendly fire. I saw it. Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. Erosian bastards, they just killed a hero. Mage 1, was it Trigger? Trigger was the closest. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye on the hatchling. It must have been a mistake. Arsenal Bird is entering. All aircraft withdraw immediately. Trigger, you can't fly for a while. You understand? C'était voulu par le jeu? Ah ouais, je savais pas. The operation to rescue former President Harling has failed. Sadly, there is no hope he survived. Trigger, you are suspected of assassinating the former president. There will be an inquiry. There will most probably be a court-martial. Ok. Pour le, ouais, vous avez obtenu de nouveaux skins pour le Mirage 2005, d'accord. Ok. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'épisode numéro 2 de notre Let's Play sur Ace Combat 7. C'était franchement très intéressant, malgré que apparemment c'est nous qu'on aurait tiré, mais je pense que c'est sans faire exprès sur le sauvetage de l'ex-président. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment les liens seront dans la description de la vidéo, et moi je vous souhaite une très très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !